Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar Da Fonseca. Première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale. C'est un match magnifique qui s'annonce. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Et voici la compo de la sélection néo-zélandaise. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. À la Nouvelle-Zélande, c'est pas encore l'équipe féminine de foot la plus talentueuse du monde. En revanche, c'est la première à avoir réalisé un sacré exploit. Est-ce que vous savez lequel ? C'est dans quel domaine ? C'est un rapport économique ? Absolument, c'est dans le domaine économique, puisque c'est la première équipe de l'histoire à obtenir l'égalité des primes avec les hommes. Allez, voici la composition des Philippines. On aime ou on n'aime pas, mais cette équipe, elle vit toujours au bord de la route. Oui, mais elle est comme le roseau. Elle plie, elle penche, elle recule. Mais à la fin, elle rend rarement. Elle se sent plus à l'aise contre son bloc et resserré, repli devant son but. Vous êtes un poète. En fait, elle vit davantage dans la rétention que dans l'extension. C'est certain. C'est le coup d'envoi dans ce match de poule de Coupe du Monde. Bolden, Harrison, nous sommes installés dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. À 7. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Bon, pas de carton pour l'instant, un avertissement verbal. Il a décidé de commencer par la pédagogie. Et c'est très bien comme ça. C'est bien frappé dans la surface. Et voilà le but, goal à peine installé, déjà un but, allez!
On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ouais, bonne intervention là. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. En très bonne position. Elle le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Oh, il s'en est fallu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. À Nice. Oui, le long ballon. Eh non, ça trouve pas le partenaire. Le ballon est repris par l'adversaire. À 7. Owen. Interception du ballon, donc. Quezada. Les passes s'enchaînent pour construire et aller chercher l'égalisation. À 7. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface, mais pour les supporters, le pénalty était flagrant. Ils sont pas contents. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. 1 minute d'arrêt de jeu au minimum. Quezada, elle s'est bien donnée dans la profondeur. Interception décisive dans la surface. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. Elle récupère le ballon, bien. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. À 10. Oh oui, la frappe, bonne intervention pour éloigner le danger. Ouais, bonne idée, c'est bien fait ce ballon. Olé, belle technique là. Elle construit tranquillement en attendant le décalage. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Il y a un contre à jouer maintenant. Avec Percival. On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Bowen. Avec de la puissance, malheureusement, de peu à côté. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes.
la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. À une bonne contre-attaque peut-être. Oh, la frappe au but. Oh, et la parade. Un corner qui est bien ajusté. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Avec Percival. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Avec Percival, Jens. Et voilà une bonne récupération là. Avec Percival. Et ballon récupéré sur cette action. Ça y est, c'est terminé. Et c'est donc une victoire dans ce match de Coupe du Monde. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart. Ça raconte beaucoup des choses sur la difficulté de ce match.